décrocher. Oh, mais c'est pire son imaginaire, c'est se déshumaniser. Le matériel n'est qu'éphémère, l'esprit d'éternité. En théorie, le message est plus important que le messager. Et c'est pas que je veux cacher mon identité, c'est juste je trouve mon identité pas très importante. On nous appelle Teroro. En 44, c'était les résistants qu'on appelait Teroro. Je suis fier d'être appelé terroriste. Je suis fier. Moi, j'aurais honte derrière ton bouclier, toi, là. Collabore. J'aurais honte. Si tu servais au moins la France, tu servirais peut-être quelque chose. Tu servais un fille, là. T'en as pas de... Tu t'en rends pas compte dans ta cervelle. Bon, on en a marre du système. Donc on a envie que ça bouge. On est content de voir que les jeunes s'y mettent. Et on va essayer de leur apporter tout ce qu'on va pouvoir. Quoi. C'est en matériel, en logistique et tout ça. Ça, on sait faire. Après, ben, on a envie de plein d'idées sortent de là. Quoi. Plein d'envie. C'est le regroupement des gens qui font des choses. Quoi. Il y a déjà des agriculteurs, il y a des artisans qui bossent. Là, voilà, c'est toutes les couches de la société qui sont là. On arrête de dire que c'est des casseurs. C'est réellement pas des casseurs, ils construisent. C'est ce qui est le plus important, quoi, hein, c'est d'aller vers l'avenir et ne pas nous faire croire que l'avenir va nous guider, nous. Quoi, hein. On rêve de trop d'en faire, mais pas de trop rêver. On rêve de tant d'en faire qu'on oublie d'exister. Même si pour vous, le jeune n'en vaut pas la chandelle. De mon nez, quand je le veux, en couleur de plus belle. Il n'est pas né, celui qui pourra me moucher. Car à la fin de l'envoi, je l'aurai touché. Pour moi, il est grand temps de constater. Le syndrome de Peter Pan m'a foudroyé. De me rendre à l'évidence sans hésitation. Je suis resté à ce spécimen pour les sons. Je suis un homme de Peter Pan. Je conduis comme un enfant. Si c'est la foule, de moi, ça me rend mal. Je suis un homme de Peter Pan. Je refuse de devenir pas. J'ai les gens, j'ai les mots, j'ai les gens. À le constater, mes actes, beaucoup de mots de faux chassés. Qu'il est plus d'un être que j'insupporte. Quand j'arbore fièrement ma couche, certains feraient mieux d'emporter aussi. Ça évacuerait la mer collée qu'à leur esprit. En opposition qu'à la morosité, c'est une protection de grande qualité. Être plein de certitude et de phobie qu'à la fois. Si c'est ça être adulte, alors je ne le suis pas. Être un môme à défaut d'une momie, faire corps à corps avec la fantaisie. Non, mais attends, j'aurais. Si. Le tour en voiture, je l'ai fait l'autre jour avec Jean-Paul, mon ami, justement, on passait pour aller chez sa fille, on est tombé sur les barrages, naturellement, on était chez nous, on était bien, les barricades, nom de Dieu. C'est pas vrai, ça revient, la commune. La contestation, c'est lorsque je dis que ça ne me convient pas. La résistance, c'est lorsque je fais en sorte. Que ce qui ne me convient pas ne puisse pas durer plus longtemps. Je disais que partout s'amorce la mondialisation de la rébellion. Alors, quand je dis indignados, vous dites pas ma pas ma pas indignados. Nous amorce la mondialisation de la rébellion. Nous venons d'être informés qu'il y avait du grabuge au carrefour de la Souls. Apparemment, les flics seraient endettés et il y aurait beaucoup de ici les roues, noirs. Ici les noirs, réveillés par les cauchemars. Pourquoi disait le demi-milliard? Parce que guérilla. Tu vois, quand tu dis il y a des points de non-retour, etc., moi je crois pas aux utopies technologiques, tu vois. Mais il y a quand même concrètement des choses qu'on peut faire et qui pourraient vraiment bien limiter la casse. Quoi. T'es d'accord pour mettre ton camion dans la barricade? Je sais pas. Ah, tu sais pas? Ah, ça va. Non, parce que c'est leur projet. Mais je sais pas, Edu, ouais, mais non, moi je veux le faire. Je vais le faire, enfin, je veux pas juste poser un camion, histoire de poser un camion, qu'est-ce que ça veut dire construire quelque chose? Je construis pour moi,
où je construis pour moi avec les autres. Pour ouais. les, enfin, oui. pour les autres, donc pour moi. Oui, tu exact. Vois, oui, oui. C'est oui, ce que je disais. Aéroport, c'est pas rationnel du tout par rapport au contexte. Et du coup, il m'a semblé à un moment nécessaire de comprendre pourquoi oui, mais... les décisions n'étaient pas prises rationnellement. Alors, en fait, il y avait beaucoup de psychologie là-dedans, et c'est notamment justement en écoutant le discours des féministes que j'ai commencé à comprendre les histoires de dynamique de pouvoir. Les outils qui permettent d'exercer le pouvoir, ouais. le contrôle par la peur, des choses comme ça. Quand je pense aux malheureux CRS, qui hier me faisaient la réflexion de qu'est-ce que c'était l'intérêt de... Ça ressemblait à rien d'aller vivre dans, des cabanes dans les bois. Pas, il a jamais été petit, il a jamais fait des cabanes, il a jamais... Je sais pas. Mais c'est un pur bonheur d'être dans une cabane dans les bois. Au milieu des oiseaux, au milieu des animaux, au milieu des arbres. De te lever le matin sans bruit. Juste les oiseaux. Au cœur de cet Occident, on est là, nous, comme un foyer de révolte amoureuse, comme... Comme s'est déroulée la Commune de Paris en 1871, où le peuple a réussi à renverser, à renverser le pouvoir maudit et à réussir pendant quelques mois à établir une société alternative et fabuleuse qu'on connaît, mais qui hélas s'est faite écraser par les fusils de la bourgeoisie de M. Thiers et des autres, qui ont été sans pitié. J'espère que Hollande et les autres seront un peu plus gentils envers nous. Parce que soit ils entendent effectivement qu'il y a à revoir tout le système pour que chacun trouve sa place, soit ils vont être confrontés à des méga-révoltes qui vont être ingérables. Parce que là, ils ont affaire à des gens qui ont réfléchi quand même à minima à un autre type de société et qui expérimentent. Moi, les squatteurs, ils n'ont pas de chef, mais ils sont clairs. Ils ont décidé, tous ensemble, d'aller vers quelque chose. C'est ça qui est intéressant, puis je pense que tout le monde agricole ici a envie de voir un petit peu ce système se mettre en place. Convergence des lieux, partage des expériences. Que des hommes qui déclenchent des guerres dans le monde entier soient à ce point frappés de stupeur lorsque la violence pénètre dans leur foyer. Anarchie.